Bonjour à tous, alors on va traiter le 77 et le 78 aujourd'hui, et ils sont un tout petit peu plus longs, parce qu'il y a le calcul de la dérivée et l'étude de la variation de la fonction avant d'admettre, d'avant de démontrer que g de x égale 0 dans le 77 par exemple admet une seule solution. Une seule solution, c'est pas au moins une, mais c'est une seule. Donc dans le TVI, là, dans notre théorème des valeurs intermédiaires, il ne faudra pas dire qu'elle est continue. Dire qu'elle est continue et croissante, ou continue et décroissante sur l'intervalle. Hein, parce que si elle est continue et décroissante sur l'intervalle, elle ne passera qu'une seule fois par la valeur. Par exemple, hein, si j'ai une fonction qui est décroissante comme ça sur un intervalle, et uniquement décroissante, elle ne passera qu'une fois par cette valeur-là. Même principe que nos fameux escalateurs. Hein, si l'escalateur descend, vous allez forcément passer une seule fois par la hauteur de 1 mètre, par exemple. Voilà, donc 77, on a une fonction qui s'appelle g de x qui vaut, alors je vais lancer un petit peu là, voilà, qui vaut x exponentielle de x moins 2 exponentielles de x, le tout moins 5. Bon, alors, première chose qu'on va vous demander de faire ici, c'est dériver tout ça. Alors le problème, c'est qu'il y a cette partie-là, là, qui va pas être facile à dériver, on va la dériver à part. On va déjà s'occuper de e de x, x de x. On va appeler ça, allez, appelons ça u. Donc u, c'est x, e de x. C'est sous la forme. On va pas appeler ça u, alors on va appeler ça, je sais pas moi, f. Appelons ça f, parce que le u, j'en ai besoin pour la suite. Voilà, donc on va dire ça, c'est f. C'est une fonction qui s'appelle f, f de x qui vaut x de x, et x de x, qu'est-ce que c'est? C'est sous la forme u fois v. On aime bien l'écrire comme ça, hein, c'est bien u de x et v de x, hein, avec u qui vaut x, donc u prime qui vaut 1, hein, la dérivée de x c'est 1, et on a aussi v qui vaut e de x, et v prime qui vaut donc e de x, hein, la dérivée de e de x, c'est de x. Donc, toujours sur ici, x de x. Donc la dérivée de tout ça là, on va l'appeler, ça s'appelle donc f prime. X de x, c'est u prime v plus u v prime. Voilà, et ça vaut quoi? Alors u prime v, u prime v, donc ça vaut e de x, plus u v prime, plus u v prime, plus u v prime. On est bon. Donc ça fait 1 plus x facteur de e de x. Donc ça, c'est uniquement la dérivée de ce qu'il y a ici. Donc on va pouvoir dériver maintenant g de x. Donc on va mettre donc g prime de x. G prime de x, qu'est-ce que c'est? Ben, la dérivée de tout ça, maintenant on sait ce que c'est. Hein. C'est 1 plus x e de x. Et j'ai déjà dérivé tout ça. Hein. J'ai trouvé ça comme résultat. Moins 2 fois la dérivée de e de x. Et la dérivée de e de x, c'est aussi e de x. Voilà. Et la dérivée de moins 5, c'est 0. Donc on va mettre moins 0. Alors je le mets en petit hein, pour bien dire. Voilà. Pour bien dire, hop, ça vaut 0. Donc c'est parti. Il va falloir simplifier un peu ce bazar-là. Si je simplifie un peu ce bazar-là, qu'est-ce que j'ai? Ben, je veux factoriser par e de x. Donc je vais mettre mon e de x en facteur. Et là, il me reste 1 plus x moins 2. Et 1 plus x moins 2, c'est ni plus ni moins que x moins 1. 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc on a g prime de x qui vaut. Comment ils ont écrit ça? X moins 1, facteur de e de x. Voilà pour le petit a. Alors c'est assez long, hein. Mais bon, ça le fait. Dresser le tableau de variation de g. Donc pour dresser le tableau de variation de g, il faut étudier g prime. Donc signe de g prime. G prime de x. Dans notre cas, qu'est-ce qu'on a? On va encadrer g prime de x. Et au-dessus, on va encadrer g de x. Ouais, voilà. Alors, regardez bien. Sine de g prime de x. G prime de x, c'est un produit entre x moins 1 et e de x. Or, on a, pour tout x appartenant à l'ensemble de définition, donc appartenant à 0,5, on a, pour tout x appartenant à 0,5, e de x qui est positif. Donc, cette partie-là. Cette partie-là est toujours positive. Maintenant, on sait donc que g prime de x, on va étudier ça, hein, donc x moins 1 est positif si et seulement si
Alors, on a x moins 1 positif, si et seulement si. Ben, si x est supérieur à 1. Voilà. Si x est supérieur à 1, ce truc-là est positif. Donc on a traité cette partie-là. Celui-ci, on sait qu'il est tout le temps positif. Celui-ci, on sait qu'il est positif si x est supérieur à 1. Donc on va pouvoir faire notre tableau de variation. Alors attention, là il commence où mon tableau de variation? 0, 5. Là vous pouvez crier en disant pourquoi 0, 5? Parce que c'est écrit ici. Tiens, 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 tiens. Ici, c'est écrit que l'ensemble de définition, là, elle était définie sur 0, 5 ici. Donc, on a bien notre 0 et notre 5 ici. Là, je vais mettre un petit trait. Je ne vais pas mettre E de x parce qu'il est toujours positif. Oh, si. Allez, E de x est toujours positif sur cet intervalle-là. X moins 1, on sait que lorsque x est supérieur à 1, x moins 1 est positif. Donc, avant, c'est négatif. Et on sait aussi que. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? Il n'y a rien d'autre, et on s'en fout en fait, que g prime de x, eh ben, c'est le produit de la ligne du haut avec la ligne du bas, donc plus par moins, ça fait moins, plus par 0, ça fait 0, plus par plus, ça fait plus. Et g de x, donc la fonction g de x, elle, ou g, elle va être donc décroissante jusqu'à 1, et croissante de 1 à 5. Alors on va calculer nos petites valeurs, on est dans la ligne g de x, donc si on est dans la ligne g de x, ici, pour avoir la valeur qu'il y a ici, il faut calculer g de 1. Pour avoir la valeur qu'il y a ici, il faut calculer g de 5. Et pour avoir la valeur qu'il y a ici, il faut calculer g de 0. Alors, deux solutions. Soit je fais à la calculette, soit je fais à la main. Fainéantise, calculette. Voilà. Vraiment à cause de la fainéantise, parce que je pense que j'irai presque plus vite à la main. On sera une petite table, ce sera encore plus simple. On va mettre notre fonction qui est donc x, e de x, moins 2x, moins 2, e de x, excusez-moi, moins 2, oula, qu'est-ce que j'ai écrit moi? Moins 2, e de x, le tout, moins 5. Et ma petite table, alors, viens par là, toi, et ma petite table, je la veux entre 0 et 5, par pas de 1. Alors, pour 0, je suis à moins 7. Ça tombe bien, ici, moins 7. Pour 1, ah bah pour 1, je suis à moins 7,718. Donc moins 7,7. Hein, moins 7,7, ça fait moins e de x moins 5. Voilà, les moins 7,7 environ. Il faudrait calculer correctement. Mais si je remplace x par 1, ça fait 1 e de x moins 2 e de x, ça fait moins e de x moins e de x moins 5. Ça fait donc, si on l'écrit comme ça, moins E de 1 moins 5. Voilà, ça c'est l'affaire. Moins 7,7. 718 même. Voilà. Et G de 5, on va aller faire un petit tour à G de 5. Oula, 440. 440 environ. Voilà. Donc on passe bien de moins 7,7 à plus 440. On est bon. Donc maintenant, on veut démontrer que g de x égale 0 admet une seule solution dans 1, 5. Et oui, en effet, regardez. Hein. Pour x compris entre 1 et 5, la fonction passe de moins 7,7 à plus 440. Et en plus, elle est continue. Et en plus, elle est strictement croissante. Donc ça veut dire qu'il y a une seule valeur qui va passer, une seule valeur de x pour laquelle g de x va être égal à 0. Il y a bien un moment où elle va passer par 0 là. Et le passage par 0, il se fera qu'une seule fois. Ok, ça c'est le TV qui le dit. Donc le TV, il dit quoi? Il dit la chose suivante. Il dit que pour le petit c, donc première chose, f est continue sur 1. 5. Alors ça, on peut le justifier disant que e de x est continu sur un 5. Ça, c'est continu. X est continu sur un 5, etc., etc. Donc 2 e de x est continu sur un 5, etc. Donc c'est une composition de fonctions continues. Donc forcément, elle est continue sur un 5.
Là, il y a une remarque supplémentaire à faire. Alors déjà, c'est pas F, mais c'est plutôt G. Excusez-moi. G est croissante strictement. Alors, quand on dit strictement croissante, ça veut dire que elle ne s'arrête pas de croître. Hein. Une croissante, ça pourrait être comme ça, une croissante. Une strictement croissante, ça s'arrête pas. Okay. Et strictement croissante sur 1,5. Après, il faut mettre les valeurs de G de 1 et G de 5. On a G de 1 qui vaut environ moins 7,7 et G de 5 qui vaut environ 440. Donc ça, c'est inférieur à 0, ça, c'est supérieur à 0. Donc G0 est bien compris entre G de 1 et G de 5. Donc on a 0 qui est compris entre G de 1 et G de 5. Donc, d'après le théorème, d'après le TVI, on a G de x égale 0 qui admet une seule solution. Solution alpha qui appartient à l'intervalle 1,5. Alors le TVI il dit exactement, il existe un alpha, un seul, qui vérifie G de alpha égale 0. Hein, donc seul, ça c'est bien écrit, c'est comme le TVI. Si on veut vraiment la définition du TVI, on dit donc, d'après le TVI, virgule, il existe un seul réel alpha qui vérifie un seul parce que strictement croissante hein, ou décroissante, hein, on dit monotone quand on veut dire croissante ou décroissante, qui vérifie G de alpha égale 0. Donc, solution donc solution de G de x égale 0. On est bon. Ouf. Maintenant, faut le trouver. Et faut le trouver dans un encadrement de type de valeur 1. Voilà comment c'est pas bien dur. L'encadrement, c'est une amplitude de 1. Donc, faut donner un plus ou moins 0,5 autour de la valeur. Or, du moins, une amplitude de 1. Donc, regardez bien. Quand je regarde ma calculette, ça, c'est le petit dé. On a G de 2 qui est égal à moins 5 et G de 3 qui est égal à 15 environ. G de 2 c'est moins 5 direct. Ok. Et G de 3 qui vaut 15. Donc ça c'est inférieur à 0, ça c'est supérieur à 0. Donc la solution se trouve forcément entre 2 et 3. Hein. Donc on a alpha qui est compris entre 2 et 3. Alors comment le vérifier? Bah, de manière simple, hein. Regardez, on va sortir d'ici, aller dans le menu, aller dans le graphe qu'il y a là. Alors je crois que je suis obligé de re-rentrer 5, voilà, et la tracer. Alors je veux la tracer entre 1 et 5. Donc je vais demander à la calculette, entre 0 et 5. Je vais demander à la calculette de me la tracer entre 0, ah, je vais aller jusqu'à 5. Là. Ça fait quand même 445, hein. Ça va être haut, hein, on va avoir un peu du mal. Hein. Donc je vais faire un zoom automatique, mais je vais pas voir grand-chose. Hein. Donc on va descendre un peu et puis on va rezoomer un petit peu là. Ça me va pas. Shift V Windows. Le minimum, on va le mettre à moins 50 peut-être. Le maxi à plus 50. Est-ce que je vais voir? Ah, j'y vois un peu plus clair. Hein. Vous voyez, hein. Donc elle est bien décroissante jusqu'à 1, ça se voit pas bien, mais on sent bien qu'elle est décroissante jusqu'à 1, donc ça respecte notre tableau de variation. Puis après elle est croissante, et vous voyez, la solution elle se trouve ici là, entre 2 et 3. Alors si je veux y voir clair, il suffit que je clique sur ma calculatrice ici, sur F1, j'ai un petit curseur qui apparaît au centre de mon écran. Donc là, je suis pour x égale 1,78, je suis encore en négatif,
Pour x égale 2, je suis encore en négatif, à moins 5 exactement. Alors pourquoi ça marche pas exactement? Je me mets à 2, donc il suffit d'entrer 2 là et hop, il se met pile à moins 5. Et pour 3, hein, je suis après 2. Donc si je me mets à 3 là-bas, paf, je suis là. Et je suis après 2. Donc si je suis après 0, excusez-moi, je suis en positif. Donc vu que x égale 3, ça donne g2, 3. Positif. Donc mon alpha, qui est la valeur de l'abscisse du point d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses, justement, et ben il est bien compris entre l'un et là. Alors si je regarde bien, il est même compris proche de 2,42 et un peu avant. Alors faites voir 2,42. Non, 2,42, il y a encore un petit moins là sur le ici là. Mais juste après, voilà, entre 2,42 et 2,46. Il faudrait que je zoome un peu pour voir un peu mieux. Et puis voilà. D'ailleurs, on va faire ce petit zoom là qui me plairait bien. D'ailleurs, si je la verrais bien un peu mieux que ça, celle-là. Zoom box. On va la boxer, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va lui faire une petite boîte autour de laquelle elle va zoomer. Tac. Voilà. Alors moi, j'utilise mon clavier, c'est un peu plus rapide. Et tac. Voilà, on est bien entre 2 et 3. Voilà pour cet exercice-là, il n'était pas bien dur, hein. Il fallait bien appliquer le théorème, ça fait 2 pages, ça prend un peu de place, mais ça le fait. Allez, le suivant qui doit être exactement le même, mais avec une autre fonction, et ça va nous permettre d'étudier les variations d'une fonction qu'on appelle f sur ce coup-ci, et qui est beaucoup plus facile vu qu'il est. Et vu que c'est une fonction du second degré, du troisième degré. Alors, f. Et la fonction définie par f de x qui est égal à x3 moins 15x plus 5. Bon là, on veut démontrer que l'équation f de x est égale à 0 admet une unique solution dans l'intervalle 3, 4. Alors ce qu'il faut faire, c'est deux choses. Et la première chose est un peu longue et pas entre guillemets évidente. Si c'est une unique solution, il faut que je démontre que ce truc-là soit continu, mais ça c'est facile parce que c'est une somme de fonctions continues. Et il faut que surtout que je dis qu'elle est strictement croissante sur 3, 4 ou strictement décroissante. On dit qu'elle est monotone, monotone sur 3, 4. Soit elle est croissante, soit elle est décroissante. Et pour faire ça, il faut que je vérifie, en faisant le tableau de variation, que cette fonction, elle est bien que croissante ou que décroissante. En tout cas sur l'intervalle 3, 4. Donc pour ça, il faut que je calcule la dérivée de ça. Donc il faut que j'en fasse, entre guillemets, une étude de fonction complète. Quasiment complète. Donc c'est parti, on va dériver f', f de x, on va calculer f' de x, qui est la dérivée de f. Donc la dérivée de 3x3, c'est 3x... la dérivée de x3, c'est 3x2. La dérivée de 15x, c'est moins 15, et la dérivée de 5, c'est 0. Donc ma dérivée est là. Maintenant, je veux étudier cette chose-là. Donc l'étude de signe, étude du signe de f'. Alors, ça serait une fonction du second degré, mais on va être un peu plus malin que ça, hein. Je vais pas sortir le delta, les racines, blablabla pour ça. Regardez ce que je vais faire. Je vais dire x2, x3x2 moins 15 supérieur à 0. Ça veut dire 3x2 supérieur à 15. Et ça veut dire x2 supérieur à 5. Et ça veut dire x supérieur à 5, mais aussi, attention, x inférieur à moins 5. x2 supérieur à 5, il faut s'imaginer la courbe, la parabole x2 qu'il y a ici. Supérieur à 5, c'est cette partie-là de la courbe, donc cette partie-là de x. Mais c'est aussi cette partie-là de la courbe, donc cette partie-là de x. Donc nous, on serait tenté de dire, hop, racine de 5, j'oublie la racine. Là, c'est racine de 5 et là, c'est moins racine de 5. Donc on serait tenté de dire x est supérieur à racine de 5 et x inférieur à racine de 5. Donc si je regarde bien mon tableau de variation, même si c'est trop étudier la fonction pour ce que c'est, on s'en fout, au moins on l'aura fait. Moins l'infini, moins racine de 5, plus racine de 5, voilà, et plus l'infini. Et lorsque x est supérieur à racine de 5, la dérivée est positive. Positive. Voilà. Lorsque x est inférieur à moins racine de 5, la dérivée est positive. Donc on a bien quelque chose comme ça. On s'en doutait un peu, hein. Pourquoi? Parce qu'on avait 3x au carré plus moins 15
Le 3, c'était un nombre positif, ça veut dire que la courbe, elle ressemble à quelque chose de comme ça. Mes deux racines sont faciles à trouver, c'est racine de 5 et moins racine de 5, et on est bon là-dessus. Ça veut tout simplement dire que la fonction f, elle est plutôt croissante, décroissante, croissante. On est d'accord. Et moi, je veux regarder ce qui se passe entre moins 3 et 4. Où est-ce que je vais pouvoir placer mon 3 et mon 4 ici? Il faudrait que je sache racine de 5, combien ça fait. Et si je regarde bien racine de 5, combien ça fait? Tac, 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 tac. Ça fait 2,23. Donc mon 3 et mon 4, eux, sont plutôt situés ici. Donc sur l'intervalle 3, 4, ma fonction, elle est bien croissante ici. Hein. Pour 3, elle vaut ça. Pour 4, elle vaut ça. Elle est bien croissante. Bon, je ne sais pas combien, hein, mais pour vous dire que f de 3 est plus petit que f de 4. Ça, c'est sûr, parce que la fonction, elle est croissante. Très bien. Comment faire pour établir ce qu'il y a ici et comment faire pour établir ce qu'il y a là? Et bien là, il faudrait calculer f de moins racine de 5, ce que je ne vais pas faire. Et ici, il faudrait calculer f de racine de 5, ce que je ne vais pas faire. Après, il faudrait étudier les limites ici, en plus l'infini, ce que je ne vais pas faire non plus, parce qu'il faudrait que ça me mène un peu loin. Alors, je sais, en regardant le graphique, que ça est plus l'infini. Et ici, moins l'infini. Ok? Ça, c'est des propriétés des polynômes. Sinon, vous faites la limite en factorisant par x3 ou par x, ça suffit, je crois. Et vous allez pouvoir arriver facilement à découvrir que ça tend vers plus l'infini et moins l'infini. Voilà pour cette étude. Donc, on a ce qu'on veut. Ça veut dire que le premier point, on l'a. F est continue et croissante sur. Alors l'intervalle c'est 3, 4. On est bon. On a f de 3 qui vaut, je sais pas, mais on va essayer. Hein. Combien ça vaut f de 3? Ça vaut 3 puissance 3 moins 12 puissance 12 fois 3. Plus 5, ouais, j'ai remplacé les x par des 3, et ça va me donner donc moins 4, qui, elle, est inférieure à 0, et f de 4, combien ça vaut? Bah, la même, sauf qu'à la place des 3, je mets des 4, s'il vous plaît, monsieur, dame. Et ça vaut 21, qui lui est supérieur à 0. Donc, on a 0 qui est compris entre f de 3 et f de 4. Donc, d'après le TVI, le théorème des valeurs intermédiaires, ça veut bien ce que ça veut dire, les valeurs intermédiaires. C'est-à-dire qu'on passe par toutes les valeurs intermédiaires qu'il y a entre f de 3 et f de 4. Vu que 0, c'est une valeur entre guillemets intermédiaire entre 3 et f de 4 et que la fonction est continue croissante, il existe un unique réel alpha tel que f de alpha égale 0. Tel que. Ouf, c'était long. Ok, juste pour une partie de la question. Mais on a tout fait. À l'aide de la calculatrice, on aimerait tabuler la fonction sur l'intervalle moins 3, 4. Donc c'est parti. Menu sur l'intervalle moins 3, 4. Cette fonction, elle s'appelle x3 moins 12x plus 5. x3 moins 12x plus 5. Et je le veux sur l'intervalle moins 3, non, 3, 4. 3, 4 par pas de 0, 1. Voilà. Et je vais la table. Donc j'ai tout ça. Et en déduire l'intervalle longueur 0, 1 auquel alpha appartient. Alors ça, c'est le petit b. On a f de. Alors regardons un petit peu. 0. Ah bah c'est par là, regardez. Pour f de 3,2. Qui est égal à environ, je vais mettre un environ,
moins 0,622 inférieur à 0. F de 3,3 qui vaut environ 1,337. Et ça, c'est supérieur à 0. Donc, notre alpha est bien compris entre 3,2 et 3,3. C'est la valeur de x pour laquelle f de x s'annule. Donc, à 3,2, je suis en négatif. À 3,3, je suis en positif. Donc, je me retrouve avec ça, comme ça, ici. Voilà. Alors, est-ce qu'il nous a demandé autre chose? Ah, il veut que je le tabule sur 1,1. Est-ce qu'elle va vouloir ma calculette? Une question, ça. Je veux un intervalle plus petit. Donc, entre 3,2 et 3, ah, il le fait. Donc, il faut que je descende jusqu'à 3,2. Entre 3,2, voilà. Ah, 3,2, 3,23. Ah, regardez, entre 3,23 et 3,24. En fait, il s'avère, pour le petit c, que alpha est bien compris entre, comme la rédaction dessus, hein, entre 3,22 et 3, non, 3,23 et 3,24, excusez-moi. 3,23 et 3,24. Voilà, on pourra aller un peu plus loin, hein, faire un écart qui est plus petit. Alors, il se peut qu'à un moment, votre calculette, elle dise « j'ai pas envie », parce que là, il y a trop. Il y a trop pour moi, là. Il y a trop de valeurs à calculer, donc je peux pas. Alors, il faut réduire l'écart, au lieu de le faire entre 3 et 4, il faut le faire entre bah, 3,23 et 3,24 par pas de 0,001. Ok? Très bien. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée. Et cet exercice est terminé, je crois, hein. Ouais, on est bon.